Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre comment trouver une accommodation à Moncton. Trouver un endroit où vivre est la plus grande source d'anxiété que tous les nouveaux arrivants peuvent avoir quand ils arrivent ici au Canada. Mais ne vous inquiétez pas, trouver une accommodation ainsi à Moncton est facile. En premier temps, il est mieux de se préparer le plus que possible afin d'éviter de rester dans les hôtels ou les Airbnb. Quand vous allez vous préparer, il faut commencer par établir un budget. D'habitude, vous pouvez vous attendre de payer entre 500 et 800 dollars par mois pour des appartements étudiants, entre 900 et 1300 par mois pour deux chambres dans un appartement, et trois chambres, peut-être entre 1200 et 2000 dollars par mois. Vous devez décider si vous voulez une location court terme ou long terme. D'habitude, si vous prenez ça à long terme, ça vous reviendra moins cher, mais vous devez rester là-bas pour un an minimum. Si vous avez déjà fait une location auparavant, pour avoir une lettre de recommandation de la part de votre ancien propriétaire peut faire une grande différence s'il y a beaucoup d'applicants là où vous voulez habiter. Ensuite, vous devez préparer des économies pour le dépôt de dommages qui est très souvent l'équivalent de un mois de location. Enfin, vous devez regarder à quelle accommodation est disponible afin d'avoir la meilleure idée des prix et de quel type d'habitation existe. Maintenant, vous êtes prêt à commencer à regarder. Vous pouvez aller soit voir dans une agence, soit contacter les propriétaires directement. Il y a un grand nombre d'agences dans Moncton. Le meilleur endroit pour regarder une large sélection est immigration-greater-moncton.ca, où vous pouvez trouver une grande variété d'agences qui vous proposent des habitations à louer. Cependant, la plupart des personnes choisissent de contacter les propriétaires directement. Un des endroits les plus populaires pour trouver ceci est Facebook Marketplace. Vous pouvez chercher par endroit le prix par mois et le nombre de chances que vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé celui que vous avez le plus besoin, une fois que vous avez trouvé ce que vous avez besoin, vous pouvez les contacter afin de savoir plus d'informations. Un autre endroit pour trouver des habitations en location est Kijiji. Qui est un site certifié canadien où ici vous pouvez aussi mettre vos filtres de recherche. Faites sur lire l'annonce pour voir qu'est-ce qui est inclus et le prix. Puis contactez le propriétaire, mais agissez rapidement car les meilleurs appartements ne restent pas disponibles bien longtemps. Voici les termes en location qui peuvent vous aider. Donc location à court terme, duration de moins d'une année, en général du mois par mois. Inclus, le prix inclut donc l'eau, l'électricité et le chauffage, le dépôt de dommages, un dépôt payé au propriétaire en cas de dommage qui sera retourné à la fin du contrat. Une fois que vous avez trouvé un bon appartement, assurez-vous de visiter l'appartement avant de signer quoi que ce soit, en particulier sur une location long terme. De plus, si l'appartement auquel vous êtes intéressé, une partie privée, l'inspection encore plus est importante. Si vous êtes heureux avec l'appartement ou vous avez besoin de payer un dépôt de dommages, puis préparez-vous à déménager. Vous savez maintenant comment trouver une habitation en location à Moncton. Pour en savoir plus sur comment vivre à Moncton, téléchargez l'application Moncton Care sur l'App Store ou le Google Play.